candidate la plus sexy, c'est Barbara, sans hésitation. Parce que c'est la fille pour qui j'ai des sentiments et c'est au-delà de ça, c'est vraiment la fille que bah, je trouve qu'elle dégage de quelque chose de très caliente, de très hot. Et voilà, je la qualifie de sexy. La candidate la moins gentille, pour moi, c'est Sarah Turner, la chanteuse. Je trouve qu'elle a beaucoup de méchanceté en elle, qu'elle fait celle qui dit les choses, mais au final, pas du tout. Elle se sert de ce qu'on lui dit pour le retranscrire ou pour le rapporter à d'autres. Donc voilà, pour moi, c'est quelqu'un de méchant. La personne la plus michto, c'est sans hésiter ma pote Léana, elle le sait. Je lui en ai déjà dit, on en a déjà parlé. Voilà, c'est quelqu'un qui sait user de ses charmes pour arriver à ses fins. Oh, yeah. La personne la plus refaite, j'hésite entre Léana et Sarah Martins, mais je pense qu'elles sont à égalité toutes les deux. Égalité là, les deux. Léana, Sarah Martins. La personne la plus dragueuse, je dirais Rémi, parce que c'est un gros charmeur, il aime plaire. Voilà, je pense que Rémi, c'est le plus gros dragueur. La personne la plus nympho au chaud lapin, la personne la plus nympho au chaud lapin, AD, c'est un chaud lapin. La personne la plus riche, Shanna, sans hésiter. Je pense que Shanna, c'est la personne qui a fait le plus de sous et qui a le plus d'ancienneté et qui a travaillé le plus hein, d'entre nous. La personne la plus populaire, Jaja. Je pense que c'est Jaja, qui est le plus apprécié de tout le monde, qui a le soutien de tout le monde ici. La personne la plus stylée, moi je trouve que c'est Barbara encore, parce que je trouve qu'elle s'habille pas de ouf, mais elle est très classe et ses habits sont souvent très bien choisis, puis elle met beaucoup de choses de couleur qui sont assez joyeux et moi j'aime beaucoup comment elle s'habille. La personne la plus inculte, c'est Léana, même si je t'adore Léana, tu sais t'es la famille, hein. Mais c'est toi qui a le moins de culture ici, même si t'as énormément d'autres qualités. La personne la plus hypocrite, Sarah Turner, pour moi la chanteuse encore une fois. C'est la plus méchante, c'est la plus hypocrite, va te dire un truc, et après elle va lui dire autre chose, tu vas lui confier un truc, elle va aller le répéter à la personne que tu voulais pas. Voilà, c'est tout ce que je déteste. La personne la plus gourmande, il y a Jaja, mais attention, la petite m'a dit... On dirait pas comme ça, mais elle s'envoie des pots de pâte à tartiner sévèrement. La personne la plus explosive, c'est... J'hésite entre Toto et Raph, parce que Raph aussi, attention, a son petit caractère, mais je pense que c'est Toto le plus sanguine. La personne la plus mytho, c'est mon poteau Jaja. Il sait que je le kiffe, mais putain, des fois, qu'est-ce que tu racontes des conneries, mon gars. Incroyable, mec. La personne la plus fourbe, Sarah Turner, la chanteuse. Fourbe, méchante, manipulable, tout ce que vous voulez, c'est pour elle. Voilà, moi, c'est ce que je pense d'elle. Elle le sait, je lui ai déjà dit droit dans les yeux. La personne la plus sincère, la plus honnête, je pense que c'est Raph, parce que Raph, il dit vraiment tout ce qu'il pense de A à Z, que ce soit bien ou pas bien. Donc pour moi, ici, c'est Raph, et je pense que j'en fais partie aussi. La fille la moins jolie, en tout cas celle qui me plaît le moins, Sarah Turner, la chanteuse. Physiquement, c'est pas mon style, et je pense que comme j'aime pas sa personnalité, du coup, ça la rend aussi pas belle. La personne la plus violente, il nous l'a montré, c'est Rémi. Hein. Quand il s'énerve, il tape un peu partout. Il est aussi sanguin, donc je pense que c'est Rémi le plus violent aussi. La personne la plus vulgaire,
Raph. Quand il s'est... Non, la personne la plus vulgaire, c'est Rémi, quand il s'énerve. C'est la personne la plus vulgaire avec Toto. Les deux, là, quand ils sont énervés, c'est... leur bouche, ça devient une poubelle. Désolé les potos, mais c'est la vérité. Hey, c'est Charles. Abonne-toi à la chaîne pour voir encore plus de vidéos. N'oublie pas de jeter un œil sur le site VD Buzz pour plus d'infos. Allez, bisous.